Bonjour les Minecrafters, ici CLB35 qui va continuer le let's play pour vous, le let's play Sonic Adventure. Cette fois-ci je vais, comme je viens de terminer la partie de Sonic, je vais commencer à utiliser Tails, son ami à deux queues. Son aventure est parallèle à celle de Sonic, donc assez semblable, on verra en quoi. Pour le moment je ne connais absolument pas cette aventure, on va la découvrir ensemble. Control Extraction. Tourner caméra, manœuvrer personnage, bon ça je connais. Attaque en saut, attaque Tails. Ah ça doit être la touche action. En même temps c'est le clavier QWERTY donc non c'est pas W, c'est plutôt Q. Ou Z, ça dépend. QWERTY, non c'est plutôt Z. Enfin bref. Back, next, enter. Saut plus espace. D'accord. D'accord, en fait ça va être des courses contre Sonic. Il va falloir être rapide. Encore plus qu'avec le personnage Sonic, donc c'est assez curieux. Et je sens que ça va être moins axé énigme. Ouais, si vous avez vu la partie de Sonic, vous savez que ça va pas marcher comme ça. Voilà, qu'est-ce que je disais? Youhou, qu'est-ce qui se passe? Faut dire qu'utiliser une Chaos Emerald pour utiliser pour faire de l'énergie pour son avion. Arg. On dit arg, pas arg. Attention en bas, scratch. Et voilà. Et là, niveau partie Sonic, on a déjà terminé le premier niveau. Bon bah ouais. Allez. What? Oui. Merci. Ah ouais. Un mur invisible. Allez hop, on va commencer cette partie. On va voir ce qu'elle nous réserve immédiatement pour un nouvel épisode de 20 minutes que je vais nommer épisode 1 du coup du point de vue de Tails. D'accord, donc il s'appelle un petit peu ce chef d'entreprise. D'accord, il nous demande d'office d'aller au Miss Crane's. C'est ça qu'on a pu faire pour ce soir. Et bah on va y aller. Bah à vrai dire, si on connaît le scénario de la partie de Sonic, ça devrait être plus simple avec celle de Tails. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on y va. On va toujours demander la petite leçon par ça. If you have the stone of wind, gusts of strong winds are known to blow in the caves. Trop facile. Je connais tellement bien. Well, well, well. If it isn't Sonic and Tails. Ah bah d'accord. On va note. Et ben bah, c'est un tout petit peu similaire. Et bon ça va se faire. Allez hop. J'ai peur que ça soit pas tellement différent de la partie de Sonic. Hein, je pourrais presque être un peu comme ça. Et je suppose que c'est pas comme ça qu'il faut. Ah d'accord, on peut faire ça aussi. On peut rouler un petit peu aussi. Ah ouais, bien. Il faudrait qu'on se tourne bien. Pas pareil que celle de Sonic, c'est un peu moins puissant. Une vie déjà, c'est trop facile, j'ai acquis de l'expérience en jouant et je sens que ça va être un petit peu speedrun cette partie avec Tails, genre quand on termine le premier épisode. Oh, faut pas exagérer, 20 minutes pour terminer la partie Tails, je sais pas si ça va être suffisant. Oups. Voilà, bon bah c'est simple. Hein. C'est le premier boss. Hein.
Ah, le fade. J'ai failli perdre à cause de ça, j'aurais pas eu Dream, j'aurais perdu. Ça aurait été lol en même temps, mais bon. Allez, ça marche quand même, on y va. Par contre, j'ai un mauvais score du coup, mais bon, c'est pas grave. On s'en fiche. Donc, on a déjà vu la cinématique sur la partie de Sonic. Si vous n'avez pas vu la partie de Sonic, regardez là, c'est important si vous n'avez pas compris trop de choses une fois de plus. Oh, là c'est mon atelier. Je t'ai mis pas aller tranquillement. Bon, ça n'a aucune importance. Oh, la pierre des vents, c'est ce que je suis venu chercher à la base. Wouhou! C'est un tout petit peu répétitif, mais bon, on va bien voir. Je pense qu'il y a de la diversité vers la fin quand même. Oh, il m'a laissé prendre de l'avance. C'est une course. Moi qui croyais qu'on n'était pas dans Sonic and Sega Star Racing. Et bon. D'ailleurs, le jeu a été classé Sega All-Star. Hein. Hey, hey, hey. Oh, censure. Il est passé à la main. Mais je rêve où il m'attend quand il me passe devant. C'est trop facile. Je me demande à quoi servent ces anneaux verts là, qu'il n'y a pas sur la partie de Sonic. Ah, le Goak! J'ai bien failli tomber dans le vide et en plus... Oh, je suis en retard. Fuh. Je vais perdre ce niveau. Je rêve ou j'ai encore pris de l'avance? C'est pas vrai, Sonic est trop gentil, il se prend trop d'avance. Je vais passer par là. Ah ouais, je vois. D'accord. Bah c'est tellement facile. Je me demande si je ferai pas hors caméra cette partie de Tails. Elle est tellement simple. En plus qu'elle varie pas beaucoup de la partie de Sonic, j'ai peur que ça fasse un peu doublot. Bon et bah c'est pas trop grave. On va faire quand même. Eh hey, oh. You win. Il arrive juste là. Et en fait, ils sont mieux, mais je suis plus rapide que Sonic, le hérisson bleu qui court plus vite que le son. Je pense que la partie est plus simple, en plus rapide. Et comme on connaît un petit peu comment le jeu fonctionne et tout, ça va être très très simple. Ouais, j'ai une idée, je vais le faire speedrun, cette partie de L'histoire n'avance pas beaucoup. On va au Mystic Ruins, on fait une course avec Sonic, on retourne à Station Square, il ne s'est absolument rien passé. Je suppose qu'au casino, va falloir aller au casino, je suppose. À moins que non. Bah voilà, c'est simple, hein. Y'a pas besoin de ranger rien pour ça. Il suffit d'aller sauter sur le bouton. Casinopolis. Je laisse les mots. Ah, c'est une course. Oh, c'est sûr. What? Elle m'a interdit de prendre les anneaux en même temps. Come on. Il est marrant lui. C'est pas qu'il me coupe pendant dans mon élan. Eh quoi que non, j'ai encore pris d'avance. C'est trop simple. Regardez-moi ça.
speedrun. En 1 minute 4, j'ai fini ça. Ok, partie de Tails, partie speedrun. Allez, on y va. Le plus vite possible, c'est notre slogan. Bon. Au lieu de la faire en 9 épisodes, je suppose que cette partie-là, je ferai en 2 ou 3 épisodes. Oh non, Eggman va nous voler la chaos émeraude. On sait ça. Oh non, la chaos émeraude est tombée par terre. Tire-toi de là. Il est poli, hein. On l'affiche. Qu'est-ce que c'est des crimes, ça? Et ben moi, qui vous disais au premier épisode que Crime faisait peut-être une apparition et qu'elle n'était pas jouable, et ben voilà. Comme ça, les choses sont claires. Bon, faut que j'aille maintenant. Allez, je vais aller par là. Je vais voir pour le loup ce qu'il y a. Quand on aura fini toutes les parties, on se consacrera à... Déjà, on essaiera de refaire l'intégralité des parties pour trouver les passages secrets et tout. Bon, je sais que ça va être un petit peu... Mais bon. Non, je pense pas qu'on va faire ça. Ce sera pas un vrai playthrough. Peut-être qu'il y aura des trucs qui vont nous échapper, mais... D'accord, là, il stone. Je vais attendre. Ah, voilà, le chemin est rapide. Je disais donc que oui, la partie sera plus rapide. À la fin, on se consacrera également à l'élevage des Chao. Ça va faire un Chao de bonne qualité. Du coup, on va refaire des niveaux, du coup, pour les petits animaux. Ce sera avec Sonic qu'on fera l'élevage du Chao. On fera pas avec tous les personnages parce que sinon... Je te dis pas, au bout de 80 épisodes, on aura à peine commencé. Bon, en même temps, il y a bien Monsieur Lennon qui fait Skyrim depuis 250 épisodes. Hein. Et qui sort à Spa, il est fort quand même. Les polygones mal taillés, c'est n'importe quoi. En plus, dans la version Dreamcast, il paraît que les personnages avaient encore moins de polygones que maintenant. Dans cette réédition là. Speedrun. On y va. D'accord. C'est pratique cette fonction de voler de Tails. Ice Cap. Allez, on va faire une course dans Ice Cap. À la fin du maximum. Ah bah d'accord, c'est seulement ça. Et ben je comprends, la partie tech je vais être beaucoup plus rapide. Je suis encore un petit peu devant lui. Ça va peut-être pas durer. Parce que je tiens plus tech, ça c'est pas mon truc. Là je n'appuie sur aucun bouton, hein, je vous précise. Hein. Je regarde la course. Et si je regarde la course, bon, je vais appuyer sur un bouton pour retracer. Ok, là je vois devant moi donc ça va être mieux. Sonic est devant moi, qu'est-ce que c'est que cette honte? Qu'est-ce que c'est que cette injustice? J'aurais peut-être dû appuyer sur des boutons de finale. En serrant un petit peu mes virages, je pense que je peux... Ah! Quack, quack. Comptez le nombre de guacs que je dis pendant mes vidéos. Oh là là. Wouhou! Mais je sais pourquoi elle frappe s'est allumée, je fais pas une vidéo là. Bah si en fait. Là là. Quelque chose me dit que c'est répétitif. En fait, de votre point de vue, ça le sera peut-être pas. Mais moi je tombe tous les épisodes d'affilée en fait. Je crois que j'ai jamais eu le droit de faire autant de gaming d'affilée. Oh non, mince. Oh, bah, je crois que non. Il est encore un petit peu derrière moi. Pas de beaucoup. Hey Tails. Hey hey. Hey, aha, oh. Non, qu'est-ce que c'est que cette honte? Tu n'as pas le droit de me passer devant, Sonic. J'aime bien, c'est quand la route est stable comme ça. Je me prends un gros bloc de glace dans la tête et ça me ralentit même pas. Je passe par là. Oui. Ça m'assure la victoire. Regardez, je suis loin de Sonic. Et la course est officiellement terminée et gagnée. Voilà. Voilà qui est dit. Il ne reste plus que 3 minutes, 4 minutes de vidéo.
on va essayer de terminer un autre stage. Et on va se laisser là-dessus et on se retrouvera pour la nouvelle partie de Tales. Je personnaliserai des playlists pour ça. Je créerai une playlist et j'ajouterai des trucs dedans. Là, je dois repartir par là. Je fais la sélection de niveau qui est assez évoluée pour une sélection de niveau, je trouve. Finalement. Allez, on y va, on speedrun. Tant qu'on en a encore le temps. Et là, il va me dire... Allez, la station Square, où il se trouve sûrement des choses. Ah non, là, c'est le combat contre Knuckles. Vous avez vraiment l'impression que j'ai déjà fait cette partie 50 fois? Bah, on va dire j'ai fait qu'une fois, mais c'était pas le même point de vue, en plus. Bon, là, tant que je suis passé par Red Sonic, ça va être très similaire. Trop facile. Le combat, ça va être un petit peu plus épique qu'avec Sonic, j'ai rien dit. And they're all mine. Pas l'animation parce qu'on le connaît. Hein. Enfin, pas de... Et maintenant, Chaos a 4 émeraudes et on va devoir le battre. Et comme je connais le boss par cœur, c'est un petit défaut quand même de ce jeu. La partie de Tails est identique à celle de Sonic. Ah bah là, c'est difficile d'attaquer avec Tails par contre. Plus difficile en tout cas. Quand même, je dis chapeau aux développeurs de ce jeu, quand même, il est bien fait. C'est pas COD, c'est pas complément d'objet direct, c'est pas Battle Garfield non plus, c'est pas un FPS, quoi. C'est pas des images par seconde, mais bon. Wow. Et j'ai l'impression que je m'enfonce dans l'eau, c'est juste trop longtemps. Ah ouais, d'accord. Bon, si je reste sur place trop longtemps dans l'eau, en fait, ça me fait mal. Je crois que c'est de la vase, un petit peu. Bon, moi, avec ma fonction de voler, je suis plutôt avantagé pour ça. Sachant que le vol de taille, il est quand même limité dans le temps. Comment je qualifierais ce niveau? Je le qualifierais trop facile. Avec taille, en tout cas. Arrête de casser tous les nénuphars, méchant chaos. Ah, en même temps, il porte bien son nom. Je me sens pas tellement en sécurité avec Zero Rings. Voilà, là j'ai avantage sur lui. C'est la fin de la vidéo, juste la fin de ce boss. Et on se retrouvera pour le deuxième épisode. Et voilà, on va se retrouver pour le deuxième épisode du point de vue de Tails, sachant que là, normalement, je suis rendu à deux ou trois, à facilement trois épisodes du point de vue de Sonic. Donc, je vous dis à bientôt, à la prochaine, bisous tout le monde, ciao, voilà. Voilà. C'est tout. Allez, adieu.